Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite série de challenges que je vais faire avec mon fils, soit les JO du golf. Avec Louis là, d'accord? On vous propose 3 épreuves. Donc, première épreuve, l'épreuve de la barre. La barre horizontale. Donc, deuxième épreuve, l'épreuve des cibles. Et troisième épreuve, on se refait l'épreuve des cibles. Mais à chaque fois, on pioche soit un bonus, soit un malus. Donc sur chaque balle, on tire un petit papier. Hop. C'est du genre, ballon au pied, balle sur tee. Jouer à une main. À la place de la balle, un petit ballon de plage. Plus 100 points, moins 100 points. Prochaine balle, si on atteint une cible, fois 10. D'accord? Les points sont multipliés par 10. Parce que ça peut être sympa, on peut s'amuser. Ok Maël, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et bah c'est parti, on y va. Nous avons 45 balles. Pour que ça soit équitable, Maël est en 49 d'index, c'est encore un petit bout de chou. Même s'il maîtrise bien, même si ça fait un mois qu'il me saoule avec le golf qui s'entraîne tous les jours dans le jardin, c'est lui qui a voulu me lancer ses petits défis. On verra bien s'il est à la hauteur. 45 balles. Il en a 25, j'en ai 20. Il n'y a pas de club imposé, il prend ce qu'il veut, je prends ce que je veux. Le but étant de toucher la barre horizontale. Alors, Maël tenait à le faire, donc il va vous expliquer les points. Nous t'écoutons. La barre à l'horizontale, 2 points. 2 points. Et les piquets à une verticale, 1 point. On verra bien si le petit loup est à la hauteur. Sincèrement, juste avant, il s'est entraîné, il a tapé 2-3 balles. Il a réussi à faire tomber la barre qui est à l'horizontale. J'ai peur. Je suis prêt à me faire humilier en vidéo. Je serai à la fois humilié et je serai à la fois fier s'il arrive à me battre. C'est pas aujourd'hui qu'il va me battre. On y va, c'est parti. On peut pas faire des coups beaucoup plus longs dans le jardin. Hein. 10 mètres. La barre est à 10 mètres. Pas bon. Hein. Hey. Allez mon petit loup. On n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Ça veut dire que tu vas y arriver, papa. T'es à l'aise, là? Oui. T'avais les pieds en dehors? Dommage. Bon, je pense qu'il nous reste à peu près le même nombre de balles. Oh. Allez. Ouais, bien touché, ça. Je tiens juste à rappeler que le petit loup, il a 6 ans, hein. Bon, tu sais quoi mon petit loup? Je te file une balle. Je te file celle-ci. Ok? Merci. Ça te va? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Oui. Eh, c'est un tout petit peu haut. T'as quoi comme club là? Merci. Oh! Oh! Je vais bientôt passer à 2. Oh, ça craque. Oh, ça cracouille. Oh, ça cracouille. Moi, j'ai une... Oh, ça fatigue. Je sens que j'ai une technique spéciale. T'as une technique spéciale? C'est quoi ta technique? Je sais pas de la dire. Mais... Attends, t'es la petite lucarne. Attends, la lucarne? La lucarne, ouais. C'est le point. C'est quoi ta technique là? Monte. Monte. Allez Dodo, t'as réussi tout à l'heure. Ah dommage. Allez, il te reste encore suffisamment de balles. Il te reste 6 et moins 4. T'as largement le temps, suffisamment de balles pour revenir au score. Eh, tu sais quoi? T'aurais dû le dire dès le début. Le perdant ramasse toutes les balles, ça te va? Non. Il veut pas. Je reviens tout de suite, j'avais boire du jus d'orange pour me réveiller, d'accord?
Allez, 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 Maël. Oh. Allez, je te laisse les deux dernières. Donc ça veut dire que tu as encore mathématiquement une chance de revenir au score, si tu mets les deux. Ok? Allez. Ok. Ok. Check. Première épreuve. Première épreuve remportée par Bibi. On est parti pour la deuxième épreuve. Donc les cibles sont les mêmes pour la deuxième et troisième épreuve. Je vous fais la présentation rapidement. Là, vous avez un carton avisé, 50 points. Le panier, 100 points. Le petit pot derrière, 100 points. 300 points, pardon. Et la barre, on la met en jeu à 500 points. Popopo. Et ben c'est parti. Deuxième manche. Petite revanche pour Maëlle. Maëlle n'aime pas perdre. Donc vous allez voir que là, il va s'appliquer 10 fois plus que sur la première épreuve. Sur la première épreuve, il a lâché un peu sur la fin, il en avait un peu marre. Là, je pense qu'il va s'accrocher. Surtout s'il arrive à en mettre une dans la cible dès le début. Alors là, puis en plus de ça, il va me chambrer. Il a 6 ans et c'est le roi des chambreurs déjà. Bon, go. C'est parti pour la deuxième épreuve. Here we go. 15 balles pour Maëlle. Non. 15 balles pour toi. 15 balles pour moi, 20 balles pour Maëlle. Allez, Doudou, revanche. Deuxième épreuve. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire, excusez-moi, Maël a joué sa première balle, j'ai juste oublié de vous dire, on s'est mis d'accord avec Maël là-dessus sur cette règle, c'est possible qu'on n'en mette aucune dans la cible. Et du coup la vidéo sera pas terrible, parce que bah, si 0-0 c'est pas GG. On s'est dit une chose, pour si on arrive à toucher une des cibles sans forcément la mettre dedans, on a 10 points, d'accord? C'est 10 points symboliques, comme ça au moins le score avance, le score évolue. Voilà, comme ça au moins on sera pas frustré en fin de partie, on aura logiquement quelques points. Ok, donc là Maëlle sur sa première balle, vous avez pu voir, la balle a touché le petit pot, elle a frôlé le petit pot, donc ça fait 10 points pour lui. Allez, qu'est-ce qu'on vise? C'est peut-être sur un petit carton. On n'avait pas dit avec ou sans rebond, hein. D'accord, donc elle est dans le 50, elle est dedans, donc 50 points. Yeah, super. Donc 50 points plus 10, 60. 60-0, commence bien. Je suis le Michael Jordan du golf. C'est le Michael Jordan du golf. Le Tiger Woods, quoi. Ouais, il touche ses petites cibles, tranquille, 10 points encore. Donc 70. Là, je... Fort. 0. 70 à 0. Là, c'est le moment où il va commencer à me chambrer, il va commencer à faire le malin, là. De toute façon, je vais le faire pleurer. Le 300, il est chaud quand même. Je touche rien, je vais tellement viser que dans la main à la mettre dedans, j'assure même pas de toucher et j'assure même pas les 10 points. 80-0. Super. Yes, 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 yes. Et en plus de ça, il a plus de balles que moi. Bon, attends, on va aller chercher la barre. La barre. Parce que si je mets la barre, ça me fait 500 points. Par contre, c'est la barre ou rien. Oh, l'escabeau, ça fait quoi l'escabeau? C'est rien. Ah, il faudrait que j'aille chercher le 100 là. Ça compte rien ça? Non. D'accord, on avait dit, t'as touché la barre, verticale. Ça compte pas. Faudrait que tu fasses ça. Du petit point quand même. Non, même pas. J'ai touché. 10 points. Misère. 90. 90 à 0. Ouais. Bravo mon petit loup. Je pourrais vous dire que je le fais exprès pour le laisser gagner. Mais non, c'est ça le pire quoi. C'est qu'il joue bien. Il joue bien. Le carton c'est bien. Mais je touche rien. Je suis à 100. Mais attends, il suffit d'une balle. Tu vois, il suffit d'une balle dans le panier à 100 points ou la barre. Peut-être pas tenter la barre, moi. Oh. Ça a rebondi, c'est ressorti. Ça a touché, quand même. Ça touche.
Elle est rentrée dedans, elle est ressortie. Selon les règles, selon la loi, elle n'est officiellement pas dedans. C'est comme au golf. Tu peux rentrer dans le trou, ressortir, elle n'est pas dedans. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Bon allez, on va chercher le 50. T'as pris le pneu derrière. Ouais. Ouf, papa. C'est pas que je me moque vraiment pas, mais... Tu veux commencer à s'ennuyer, le petit loup? C'est horrible. Tu m'énerves. Je te... Les verres, ça a touché. Hein. T'es qu'à 10, papa. Il me reste... J'ai oublié de jouer petit bras. Bon, petit loup, t'es à 130. Je suis à 20. Il me reste 4 balles. Je vais jouer la barre. Sur mes 4 dernières balles, je vais jouer la barre. Comme ça, si je joue la barre, si j'arrive à la voir une fois, yeah. Et ben c'est bon pour moi. Non, ou si je rejoue la barre. T'as eu peur? T'as eu peur? On y croit pas du tout à cette île. Hein. Bon, allez, je pense que c'est gagné pour toi. On termine, mais. Oh, il m'achève. Oh, il m'achève. Il la met dans le 50. C'est horrible ce que tu me dis. Bon, je pense que c'est gagné pour moi. Je t'ai éduqué, je t'ai tout donné. Aujourd'hui, t'as vu comment tu me remercies? Pile dans ta chambre. Même pas crédible. Il me reste 2 balles. Là-bas. Je peux faire la dernière? Bon, dernière balle. En gros, faut que je fasse au moins un. Faut que je fasse au moins 300. Donc le petit pot derrière ou la barre. Pour réussir à lui passer devant. Si j'y arrive pas, bah, il a gagné. Puis on passe à la troisième épreuve. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Il l'aura largement, il l'aura amplement mérité. Allez, la barre. Vraiment. Bravo. Bravo, jeune homme. C'est la troisième épreuve? Oui. Tu es prêt? Tu es prêt? Oui. Ok. Troisième épreuve. On va aller se ramasser les balles vite fait. C'est parti, troisième épreuve. C'est parfait, j'ai gagné la première manche. Maël a gagné la deuxième manche. Donc, bah, troisième épreuve qui va nous départager. Elle est plus originale, on va dire qu'elle va être un peu plus ludique. J'ai découpé mes petites étiquettes que j'ai mis dans ce récipient. On va jouer combien de balles? 15 pour toi, 10 pour moi. Ouais, ça me va. À chaque fois, on pioche dedans, on pioche, on remet, d'accord? Donc, à peu près autant de bonus que de malus. Allez, go! C'est Maël qui commence. Tire une étiquette. Tu regardes pas, bien évidemment. Balle sur ti. Balle sur ti. Oh, c'est mignon. Bon! Je le remets dedans. Dommage! Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Vous allez découvrir en premier. C'est quoi? Je vais. Plus 100 points. Alors, moi, petit ballon de plage avec club. Maël vient de piocher ça. Petit ballon de plage avec le club. Il peut le faire, il peut le faire. Bon, ça fait 10 points, hein, ça a touché. Hein. On remet dedans, on va essayer d'aller plus vite. On remet dedans, pioche, 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 pioche. Prochaine balle, x10. Ça veut dire que là, je vais jouer une balle. Si, par exemple, je mets la balle dans le carton, tout simplement. 50 points. Fois 10, 500 points. Qu'est-ce que je pourrais viser là? Je vais me tenter une petite barre. La barre, 500. Fois 10, 5000. Alors là, bon bah j'ai gâché mon x10. Club pour Maël, club junior. Bon, ça change pas beaucoup parce qu'il a déjà des clubs juniors. Oh, c'est propre. Ça a touché. 10-10, 20. Hop. Barre obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'en visant la barre, si je mets dans le 50, dans le 100, dans le 300, ça ne comptera pas. Je suis obligé de viser la barre. C'est mon seul objectif. Il faut que je pioche le x10 et que j'aille sur la barre. Eh, c'est pas gagné encore, c'est pas gagné, d'accord? Alors. Première chose, je voudrais vous dire à l'oreille. Papa, il est horrible.
Oh, j'ai mauvaise conscience de faire ça à mon fils. Après, c'est le jeu, je lui ai expliqué au début. Moi, je suis le diable. Sympa. Balle sur tige. Ah, ok. Oula. Je pioche. Voilà, hop, 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 hop. Ici. Hop, qu'est-ce qu'on a? Peut-être dans ce sens-là. Balle sur tige. Bon. Ce qui fait pour l'instant un total de 610 à 20. Plus 100 points. Ok, plus, c'était celui-ci. Yes! Plus 100 points pour Maël. Il y a un plus 100, il y a un moins 100, hein, je vous le rappelle. Elle est tombée à chaque fois sur le plus 100. Barre obligatoire. Ou la dernière fois, ça lui a coûté cher, je le retente. Allez, la barre. C'est pas passé loin. Club Junior. Club Junior. Donc un ton club, ça change rien. Touche. Non, touche pas. Reste 5 balles. Moi, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 100 points. 510 à 130 pour l'instant. Club Junior. Encore. Pourtant, il n'y a qu'une étiquette. Ça fait 3 fois qu'il tombe dessus, je crois. Oui. Allez. On y va. Wouh! Allez, pour papa, on mélange, on touille un peu, on touille. Et on... Plus 100 points. Bah, je récupère les 100 points que j'avais perdus juste avant, finalement. À toi. Balle sur qui? C'est fort, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Bah, il est très concentré. Hop, on pioche. J'ai quoi là? J'ai quoi? Tu me lis? Barre obligatoire. Allez, je tente la barre avec un sandwich. C'est pas l'idéal. Je vais faire un petit fer neuf. Oh. Allez, vas-y. Je suis contre. Qu'est-ce qu'on a? Annonce la couleur. Petit ballon de plage avec club. Petit ballon de plage. Allez, c'est parti. Allez. Doucement. T'es fou. Jouer à une main. Quelle main, Maël? Tu décides, allez, tu décides. Gauche. Main gauche. Ouh. Main gauche. Vous l'avez vu, hein? Je mélange. Moi, je mélange. Je suis pas bientôt fini, hein. Je vais encore gagner. Ballon au pied. Ballon de foot, on le voit le ballon de foot. C'est parti. Go. Damn. Il a chopé la barre. Yes. Il a chopé la barre. Il est fou. Regardez-le là. Oh, j'y crois pas. Allez, 500. Là, du coup, la crevette passe à 630 points. Et moi je suis à 660. Bon, ça va être sérieux parce que moi j'ai plus que 2 balles. Moi là, j'avançais tranquillement vers la victoire. D'accord, je me voyais déjà triompher. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais! Allez, la victoire! Du coup, eh ben on va piocher. Et là par contre, on rigole plus là. On rigolait juste avant. Hein. Là, je rigole plus là. Petit ballon de plage avec le club. Ouais. Ça, j'ai pas testé encore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là-bas, 2,50, tiens. Pathétique. Nul. Allez, tu pioches. Je joue à une main. Tu joues à une main. Ah, intéressant ça. Hein? Main droite, allez. Fais des coups d'essai si tu veux. Non? Y'a pas l'habitude. J'ai cru qu'elle allait partir chez le voisin celle-ci. Qu'est-ce que j'ai, Maël? Qu'est-ce que j'ai? Ça, j'aime bien. Elle m'a pas porté bonheur jusqu'ici, mais ça me plaît bien là. D'accord? Puisque le nombre de points, x 10. Je me tente le carton. Il me reste 2 balles. Jouer à une main. Allez hop. Main droite. Il me reste une balle. Moi, c'est ma dernière balle. Lui, il reste. C'est quoi là? Tiens, file-moi ton club, mon doudou. Non. Ah oui, c'est demain. J'allais
vais faire une main, club junior. C'est quoi ça? 100 mètres? Ouais. Bon, en gros, moi j'ai terminé mes balles. Il reste 4 balles à Maël. Maël, t'es à combien? 630 points. 630 points. Et moi j'ai terminé, je suis à 660 points. Donc mon score ne peut plus bouger. Celui de Maël peut encore bouger. Donc 30 points minimum pour égaliser, 40 points et plus. Et bah il s'envole vers la victoire. Et là je le déshérite. Club junior. Club junior. Tiens, 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 ça va te changer. Oh. C'est C'est passé à ça de la barre. Et en plus de ça, je pense que c'est pas passé loin du 300. Tu regardes pas, hein. De toute façon, si tu regardes, on le verra là. Plus 100 points, donc ceci, je m'y attendais pas. Alors, c'est pas gagné. Il te reste 3 balles. D'accord? Tu peux tomber sur le moins 100. Balle sur T. Balle sur T. En fait, il n'y a que le moins 100 qui peut me sauver. Plus 10. Moins 100, il faut que tu te... Vas-y, chope le moins 100. Allez, s'il te plaît, le moins 100. Le moins 100, le moins 100. Balle sur T. Balle sur T. C'est pas possible, mais combien de fois tu l'as chopé celui-ci? Oh là, la barre. Presque, presque. Pas la barre, mais. Dernière balle. Dernière balle. Pour passer. Tout se joue maintenant, en fait. Tout se joue maintenant. Petit ballon de plage avec club. Petit ballon de plage. Vas-y, joue pour le fun. Hop là, j'ai gagné les trois défis. Bravo. Belle victoire. Bravo mon fils, super, super, tu m'as régalé. Ça te fait plaisir ce petit jeu? Oui. J'ai décidé de l'appeler le Ninja Golf Warrior. Ça te plaît ça, comme nom? Ouais. Ninja Golf Warrior, parce qu'il adore le Ninja Warrior. Première manche remportée par moi, puis il a remporté les deux dernières manches grâce à des super coups. Très belle victoire de Maël. Bon, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, hasta la vista. Et au revoir. Au revoir.